Aujourd'hui, c'est la rencontre de Pasteur Meunier avec ses disciples. Agneau, et c'est vous qui êtes là. Nous sommes contents de vous accueillir au temple. Vous allez bientôt, le Pasteur Meunier va bientôt descendre. Donc je vous prie d'être très attentifs. Si vous posez des questions, vous devez répondre. On ne se promène pas, on s'assoit et on écoute. Vous avez entendu? Vous devez prier, on va prier ensemble. Et il va vous enseigner, il va nous enseigner. Vous avez compris? Donc si quelqu'un a un besoin, il lève la main et puis on vient l'aider. Ce n'est pas la peine de se déplacer. Donc on va prier. On va dire merci à Dieu pour la vie de Pasteur Meunier. Pour ce jour qu'il a mené à l'existence, ensemble prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous t'exaltons pour la vie de Pasteur Meunier. Merci pour tout ce que tu as fait pour lui. Merci pour ce jour que tu as mené à l'existence. Oh Dieu, nous te disons merci. Au nom de Jésus, amen. On insiste, qui vient insister? Seigneur, du Seigneur. Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour la vie de Pasteur Meunier. Merci pour ce jour. Merci pour ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire infiniment merci pour la vie de Pasteur Meunier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons grâce pour l'arrivée du Pasteur Meunier. Oh Dieu, viens avec nous. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. On vient insister. Seigneur, nous te disons merci. Pour l'arrivée du Pasteur Meunier. Viens, conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour l'arrivée du Pasteur Meunier. Viens et conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter ma génération. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. C'est la tâche éternelle, mais nous y arriverons en comptant sur Jésus-Christ, en s'attachant à sa parole et à son service et vivant dans sa crainte. Nous sommes élus. Dès la fondation du monde, pour impacter nos générations, nous sommes élus. Dès la fondation du monde, pour impacter nos générations, c'est la tâche éternelle, mais nous y arriverons. En comptant sur Jésus-Christ, mais sa passion à sa parole, m'aimera à son service, et vivant dans sa crainte, nous sommes élus de la fondation du monde. Vous impactez la génération, nous sommes élus. À la fondation du monde, où impacter nos générations. Oh, 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 oh. Élu de Dieu, nous le sommes. Servir Jésus-Christ et importe les circonstances, nous accomplirons le but. Élus de Dieu, nous le sommes.
Elle a servi Jésus-Christ et importe les circonstances, nous accomplirons le but. Oh, 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 oh. Voilà. Vas-y. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Vas-y. D'accord. Quand je trompe ça, sa mort, ils ont mis le maître sur la croix. Chantez, chantez. Ils ont mis ses expirations son front. Et des plumes à se pointer sa main. Mets le micro vers ta bouche. Les brebis égarées. On s'est tremblé en plein corps. On réponse à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Acclamons très fort. Qui autre? Merveilleux, merveilleux ce que Dieu fait. Et merveilleux, merveilleux, merveilleux ce que Dieu fait. Et merveilleux, admirable, admirable ce que Dieu fait. Et admirable, admirable, admirable ce que Dieu fait. Et admirable, les dieux sont toujours merveilleux. Les enfants de Dieu sont toujours merveilleux. Les enfants de Dieu sont toujours merveilleux. Ce que Dieu fait est merveilleux. Très fort, acclamez très fort Jésus-Christ. Asseyez-vous. Qui autre? Viens, viens et vois. Debout. Jésus n'a pas changé. Il vient le même aujourd'hui, éternellement. Viens, viens et vois. Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui, éternellement. As-tu changé? Jésus n'a pas changé. As-tu changé? Jésus n'a pas changé. Il est le maître éternellement. Changé, Jésus n'a pas changé. As-tu changé? Jésus n'a pas changé. As-tu changé? Jésus n'a pas changé. Il est le maître. Il est éternellement. Qui va venir l'aider? Par la puissance de Jésus, nous donne les captifs au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus, nous donne les captifs au nom de Jésus.
changé? As-tu changé? As-tu changé? Il est le même éternellement. As-tu changé? As-tu changé? Qui sait danser? Qui veut danser? As-tu changé? Il n'a pas changé. 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 Acclamation très fort. Un autre chant. Le même éternellement. Qui a un autre chant? Qui d'autre a un chant? Merci Jésus, 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 merci Jésus. Qui veut danser? Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus.
Acclamez très fort. Vas-y, prends, chante. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le Seigneur. Dans les profondeurs, debout. Dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le Seigneur. Dans la vie éternelle. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le Seigneur. Dans la vie, acclamons très fort. Qui d'autre? Gloire à Dieu. Je suis la sœur Priscille, mon faisant des disciples, c'est pasteur Meunier Boniface. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a envoyé ici, saint et souffre au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment s'appelle ton papa? Mon papa, il s'appelle Yao Apollinaire. Comment s'appelle ta maman? Ma maman, elle s'appelle Yao Pelagie. Dans ton assemblée, qui dirige? C'est ma maman. Donc? Et ma monitrice. Elle est monitrice. Acclamation. Suivant. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Le tout. Allez dans le micro. Le micro, voilà. C'est plus du pasteur, mais Boniface. Non, qu'il reprenne. Calme-le, qu'il ait la paix dans son âme. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Me touche là. Non. Parle, pas dans le micro. Comment tu t'appelles? Me touche là. Me touche là. Ton père s'appelle qui? Ton papa s'appelle? Stanislas. Et ta maman s'appelle? Victoire. Très bien. Et votre dirigeant, quand tu vas à l'assemblée, ton dirigeant s'appelle qui? Papa. Qui? Papa. Suivant. Acclamation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kouadjo Emmanuel Béni. Mon fils est ici, c'est Papa Meunier. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a envoyé ici pour écouter la parole. Amen. Ta maman s'appelle? Ton papa s'appelle? Kouadjo Kono Honoré. Ta maman s'appelle? Kouadjo Unda Charlotte. Votre dirigeant à l'Assemblée, c'est qui? C'est mon papa. Son nom, c'est... Tu as dit que ton papa s'appelle qui? Kouadjo Kono Honoré. Très bien. Suivant. Comment tu t'appelles? Bayemoué Daniel. Ton faisait disciple? C'est Papa Meunier. Ton papa s'appelle? Zélie Fidèle. Et ta maman s'appelle? La sœur Année. Votre dirigeant, quand vous êtes à l'assemblée, s'appelle? Elle s'appelle Maman Cécile Kouakou. Maman Cécile Kouakou. Acclamation. Suivant. Suivant. Gloire à Dieu. Tu t'appelles? Je m'appelle Siamo Pellissier. Mon fils est ici. C'est Maman Colette. Oui. Et ton papa s'appelle? Papa Fidèle. Et ta maman s'appelle? Maman Annie. Votre pasteur à l'assemblée s'appelle? Maman de David. Maman de David.
Ah, maman de David. Est-ce que maman de David est là? Kwaku Cécile. Suivant. Gloire à Dieu. Je m'appelle Umbame Emmanuel. Mon frère de disciples, c'est Mémé Florence. Mon papa s'appelle Umbama Yannick et maman s'appelle Yolène. Elle qui dirige dans notre assemblée, c'est Mémé Florence. Suivant, acclame. Ça arrive. Préparez-vous. Gloire à Dieu. Je me nomme Taou Lévi. Mon papa s'appelle Taou Jean-Baptiste. Maman, elle s'appelle Taou Augustine. Mon frère disciple, c'est Pasteur des Anges. Et notre dirigeant, c'est Pasteur des Anges. Suivant. Gloire à Dieu. Je m'appelle Mbaba Timothée. Ma maman, c'est Maman Florence. Mon papa, c'est Papa Nyang. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kwaku David. Mon faisant des disciples, c'est Maman Colette. Ma maman s'appelle Maman Cécile. Et mon papa s'appelle Papa Cyprien. Acclamation. Et qui dirige notre assemblée, c'est Mémé Mago avec Tonton Enos. Acclamation. Je m'appelle Mbaba Joseph. Ma maman s'appelle Maman Lolette. Maman Lolette. Ma tante s'appelle Tante Lia. Et puis eux qui trouvent dans notre assemblée, c'est Mémé Florence. Reprends. Parle fort. Parle très fort. Je m'appelle. Très bien. Mbaba Joseph. Ma maman s'appelle Maman Lorraine. Ma tante s'appelle Tante Liane. Mon papa s'appelle Papa Yannick. Mon frère de ici, c'est Maman Florence. Très bien, suivant. Gloire à Dieu. Je me nomme Komo Maouton Johanna. Mon faiseur de tissu, c'est le pasteur Meunier Boniface. Ma mère se nomme Maouignon Delphine. Mon père se nomme Komo Kan Benjamin. La dirigeante de notre assemblée est la sœur Kokora Claudine. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Conné Emmanuel Eliora. Mon père dit c'est Pasteur Meunier. Maman s'appelle Maman Estelle. Mon papa s'appelle Papa Woro. Ma tante s'appelle Tante Nafi. Et le dirigeant de notre assemblée. C'est qui? Pélagie. Elle a trouvé. Les monitrices. Acclamez très fort. Gloire à Dieu, je m'appelle Kaku Sarah Beni, mon frère de disciples. Gloire à Dieu, je m'appelle Kaku Sarah Beni, mon frère de disciples, c'est Pasteur Meunier. Ma maman s'appelle Maman Cathy, mon papa s'appelle Pasteur Kaku. Et votre dirigeant à l'assemblée? Notre dirigeant à l'Assemblée s'appelle Maman Cécile. Acclamation. Je suis le frère Kwaku Emmanuel. Mon frère disciple, c'est la sœur Cécile Kwaku. Mon père s'appelle le frère Kwaku Kwame Cyprien et ma mère s'appelle la sœur Cécile Kwaku. Le dirigeant de notre Assemblée, c'est la sœur Cécile Kwaku. Amen.
Acclamation. Parle fort. Dis ton nom. Viens, viens d'abord. Allez le rassurer et tu le ramènes. Suivant. Gloire à Dieu. Je me nomme le frère Kwaku Jonathan. Mon frère d'ici, c'est la sœur Cécile. Mon père se nomme le frère Kwaku Kwame Sipouye. Ma mère se nomme la sœur Cécile. Le dirigeant de notre assemblée, c'est la sœur Cécile. Acclamation. Gloire à Dieu. Je suis le frère Christ. Mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Meunier. Ma mère s'appelle Kofi Aou Amélie. Mon père s'appelle Djokoui Chris. Djokoui Landry. Notre dirigeant d'assemblée, il s'appelle le frère Miché. Acclamation. Gloire à Dieu, je me nomme le frère Kouabénan Kisseliel. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Mathias Daté. Mon père se nomme Kouabénan Mathias Daté. Ma mère se nomme Kouabénan Kouakou Estelle. Le dirigeant de notre assemblée est la sœur Yao Pelagi. Amen. Acclamation. Gloire à Dieu, je m'appelle Kouabénan Keren Esther. Mon faiseur de disciples, c'est pasteur Mathias. Mon père se nomme Kouabénan Daté Mathias. Ma mère se nomme Kouabénan Kouakou Esther. La dirigeante de notre assemblée est la sœur Pélagie. Amen. Amen. Acclamez très fort. Bonjour, je me nomme le frère Jonathan Pécam. Mon faiseur de disciples est le pasteur Boniface Meunier. Le nom de mon père est le pasteur Serge Pécam. Ma mère se nomme la sœur Sheila Pécam et... Le dirigeant de notre assemblée est le pasteur Mathias. Amen. Acclamation. Gloire à Dieu. Je m'appelle Jolou Mizan, Anaël et Rian. Mon frère de disciples, c'est papa Meunier. Mon papa s'appelle Joby Emmanuel. Ma maman s'appelle Jolou. Maman Michel. Le dirigeant de notre assemblée, c'est la sœur Irène. Acclamation. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kwaku Elohim. Mon frère disciple, c'est maman Cécile. Mon père s'appelle Kwaku Kwame Sipouye. Ma maman s'appelle Kwaku Cécile. Notre dirigeante est Cécile Kwaku. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Zaba Groblu Wazi Emmanuela. Mon père s'appelle Vincent Zaba. Ma mère s'appelle Zaba Ozoa. Le dirigeant de notre assemblée, c'est le pasteur Vincent Zaba. Mon frère d'ici, c'est maman Colette. Gloire à Dieu. Je m'appelle Daniel. Mon papa s'appelle Vincent.
Maman s'appelle Assetou. On faisait les disciples. Pasteur Meunier. Le dirigeant de notre assemblée, c'est mon papa. Acclamation. Comment tu t'appelles? Johanna. Parle. Mon futur de disciple, c'est Pasteur Meunier Boniface. Ton papa s'appelle? Ma mère, elle s'appelle Maman Sheila Pekam Tegomo. Mon papa, il s'appelle. Le nom de mon papa, c'est Serge Javier Péka. Professeur de disciple, c'est Pasteur Meunier Boniface. Acclamons très fort. Je m'appelle Emmanuelle. Très bien. Parle fort. Papa, il s'appelle... Ingaza Azel. Ma maman, elle s'appelle Maman Ingaza Azel. Mon disciple, il s'appelle Jésus. Le nom du dirigeant de ton assemblée. Mon assemblée. Il s'appelle mon casa, mon assemblée. Merci. Qui doit l'aider? Qui est son dirigeant? Ton nom, Ngaza Emmanuel. Ngaza Emmanuel Azel. Très bien, parle fort maintenant. Mon nom est Ngaza Emmanuel Azel. Acclamons très fort. Maintenant, dis, qui est ton faiseur de disciples, c'est qui? Le jeune de l'assemblée, c'est le Ombe. Ton assemblée, c'est chez le Ombe. Maintenant, ton faiseur de disciples, c'est Pasteur Meunier. Mon faiseur de disciples, c'est Pasteur Meunier. Acclamez très fort. Le nom de ton papa, c'est qui? Mon papa, une casa. Azel. Et ta maman? Amma. Amma. Une casa Azel. C'est Amma. Amma. Ma maman s'appelle Kissé Amma. Kissé Amma. Azel. Non, Azel, ça c'est ton nom. C'est pas le nom de ta maman. Très bien. Ok. D'ici le soir, ça sera. C'est bon? Ok. Kwame Lufui. Kwame Pascaline. Ton faiseur de disciples. C'est le pasteur Lufui. C'est le pasteur Lufui. Non, c'est qui? C'est Pépé Meunier. C'est le pasteur. Pasteur Meunier. Dis fort. C'est le pasteur Meunier. Suivant, acclamons très fort. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kwame Pierre. Mon faiseur de disciples. Mon faiseur de disciples, c'est Pasteur Meunier. Ton papa. Mon papa s'appelle Kwame Wilfried. Ta maman. Ma maman s'appelle Kwame Pascaline. Et ton petit frère? Il s'appelle Kwame Zachary. Acclamons. Suivant. Je me nomme la sœur Ingesson Victoire. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Becky. Mon papa s'appelle
Ngefin Luc. Ma maman s'appelle Ngefin Rachel. Mon dirigeant s'appelle, c'est le frère Ngefin Luc, mon papa. Amen. Mon frère est d'ici, c'est la sœur Becky. Suivant, acclamation. Lui s'appelle Diobi Mizan, Messi Kylian. Viens, viens. Elle s'appelle, son frère c'est Papa Meunier. Elle s'appelle, il faut parler. Dis ton nom. Oh, dis, je m'appelle. Je m'appelle. Jolou. Jolou. Mizan. Mizan. Dis tout. Line. Lina. Eden. Eden. Son frère, c'est Papa Meunier. Bravo, dis pour toi. Jolou. Jolou. Elle s'appelle Jolou Mizan. Maëlys. Acclame très fort. Bravo. Acclamez très fort. Dis pour toi. Qui n'a pas encore dit? Tout le monde a dit. Gloire à Dieu. Je suis le frère Vlami Michel Ponce Trésor. Mon frère 18, c'est la sœur Taïe Cognon Véronique. Mon papa s'appelle le frère Vlami Lalé Victor Joël. Notre dirigeant s'appelle la sœur Angèle. Amen. Ceux qui n'ont pas réussi à parler, là, mettez leur. Venez, ne faites que devant. Gloire à Dieu. Je m'appelle le frère Ingessa Emmanuel. Mon frère est dit, c'est le pasteur Bleu Nequel. Mon dirigeant de mon assemblée, c'est le pasteur Luc. Ma maman s'appelle la sœur Rachel. Qui est déjà baptisé parmi vous? Baissez les mains. Qui n'est pas encore baptisé? Très bien. On baptise les gens comment? Prends le micro. On les met dans l'eau puis on les soulève. On les met dans l'eau et on les met comment? Prends le micro, explique bien, tiens. On l'attrape et puis on le met dans l'eau. On le plonge dans l'eau. Oui, qui a déjà vu comment on baptise? Viens. Et puis, quand on les met dans l'eau. Oui, on ferme les narines. Oui. Très bien. Pour qui que l'eau ne rentre pas dans les narines. Oui. Oui. Qui n'est pas encore baptisé? Qui n'est pas encore baptisé? On baptise comment? Parle. Gloire à Dieu. Quand on te baptise, tu dois mettre la main sur la bouche. C'est ce que moi j'ai retenu. On te met dans l'eau et on te baptise. On met une partie du corps, bien tout le corps. C'est tout le corps. Dis qu'on on te plonge dans l'eau. On te plonge dans l'eau. Qui d'autre? Qui a déjà vu comment on baptise quelqu'un? Oui. On met la main sur le nez pour le boucher et on le plonge dans l'eau. Après, on le ressort. Très bien.
Pourquoi baptise donc les gens? Qui sait pourquoi on baptise les gens? Pour les remplir du Saint-Esprit. Écoute, ce n'est pas ça. Viens parler. Tu as fait comme ça. Tu sais pourquoi on baptise les gens? Viens dire. On baptise les gens, pourquoi? Il ne sait pas. Qui sait? Viens vite. On baptise les gens pour que Dieu rentre dans leur cœur, pour qu'ils soient purifiés. Oui, viens. Tu parles fort. Amen. Le baptême, c'est... On baptise les gens parce qu'ils ont accepté que Jésus est leur sauveur. Donc le baptême, c'est une façon de dire que le baptême, c'est spirituel, c'est pas seulement physique qu'on te met dans l'eau. Le baptême, c'est lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Amen. Acclamation. Oui. Le baptême, c'est lorsque tu décides d'abandonner ton ancienne vie pour suivre Jésus. C'est comme un enterrement. Tu enterres ton ancienne vie dans l'eau et tu ressors avec une nouvelle vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Acclamation. Qui d'autre? Qui sait pourquoi on baptise les gens? Oui, on baptise les gens pourquoi? Pour que le Saint-Esprit rentre en toi. Oui, parle fort. Pour que le Saint-Esprit rentre en toi. Oui, il dit qu'on baptise pour que le Saint-Esprit entre en l'homme. Qui d'autre? On baptise les gens pour les faire mourir et les faire ressusciter avec Christ. Amen. Qui a dit de baptiser les gens? C'est Dieu. Qui? C'est Dieu qui a dit de baptiser les gens. Acclamons. Qui connaît le verset qui dit de baptiser les gens? Cherchez, celui qui trouve, lève la main. Tu lis pour nous tous. Le verset qui dit de baptiser les personnes, c'est le Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première raison, on baptise les gens pourquoi? Si quelqu'un trouve, je le félicite. On baptise les gens pour quelle raison? Pourquoi? On les baptise pour faire des disciples. Oui. Oui. Non, on les baptise premièrement pour obéir à... Il faut dire ça. Dit, on baptise les gens, tout le monde dit, on baptise les gens par obéissance à Dieu. Encore. On baptise les gens par obéissance à Dieu. C'est Dieu qui a dit de baptiser les gens. Qui a compris? Si tu as compris, lève la main. Qui a dit de baptiser les gens? Si quelqu'un te demande pourquoi tu t'es fait baptiser, tu dis, je me suis fait baptiser pour obéir à Dieu. Parce que Dieu a dit de... Dieu a dit de faire quoi? De baptiser les... Écoutez. Pourquoi baptise-t-on les gens? Oui. Pour obéir à Dieu. Acclamez très fort à Dieu. Pourquoi baptise-t-on les gens? Pourquoi baptise-t-on les gens? Pour obéir à Dieu. Acclamez très fort.
Pourquoi baptisent-on les gens? Pour obéir à Dieu. 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 Acclamons très fort. Qui a dit de baptiser les gens? Dieu. Merci. Qui connaît le verset qui dit de baptiser les gens? C'est combien? C'est quel verset? Matthieu, verset. Est-ce qu'il y a un autre verset? Qui connaît un autre verset? Qui connaît un autre verset? Qui a sa Bible? Il faut avoir les Bibles. Il faut dire à papa de vous. Chacun dit à son papa de lui acheter une Bible. Qui a sa Bible à la maison? Il l'a laissée. Il ne fallait pas laisser ta Bible. Qui a laissé sa Bible à la maison? Qui n'a jamais eu, qui n'a pas de Bible? Donc il faut dire à ton papa que notre faisait de disciples dit que tu nous achètes la Bible. Dis Amen. Dis Amen. Viens lire Marc 16, verset 15. Oui, si tu as trouvé, tu viens te mettre en rang. Chacun va lire. Les soldats. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Suivant. Marc 16, verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Non, reprends. Celui, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Marc 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Suivant. Marc 16, au verset 15 à 16. Écoutez très bien la lecture. Puis il dit, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Très bien. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je lis Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Tout le monde doit dire Amen. Amen. Très bien. Qui a dit de baptiser les gens? Dieu. Acclamez très fort. Qui connaît le nom de la personne qui a dit de baptiser les gens? C'est qui? Dieu. C'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour sauver qui? Son fils s'appelle? Et son fils a dit de faire quoi? De baptiser les? Acclamez pour vous-même.
on est baptisé, pourquoi? Dieu dit de baptiser les gens, pourquoi? La parole dit clairement ce que Dieu veut. Celui qui croira et qui sera baptisé, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc Dieu veut qu'on baptise les gens pour quel but? Pour qu'ils soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés. Si quelqu'un a cru, s'il ne veut pas le baptême, est-ce que c'est bien? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. D'accord. Écoute. Marc 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Quand on a cru, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on a cru, on doit faire la repentance de ses péchés, puis passer par le baptême. Très bien. Très bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est quel verset? Oui. Viens parler. C'est Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera comment? Sera condamné. Sera condamné. Acclamons très fort. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi t'as-t-on baptisé? Tu te fais baptiser pourquoi? Qui a la réponse? Tu te fais baptiser pourquoi? Qui a la réponse? Viens dire que tu te fais baptiser pour quelle raison? Pour... Parle fort. Oui. Pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu. C'est simple. Qui a dit aux gens de se baptiser? Alors, si on te demande pourquoi t'as-t-on baptisé, tu vas dire que quoi? C'était pour quoi? C'était pour obéir à Dieu. Elle a trouvé acclamation. Qui a dit de baptiser les gens? Tu ne connais pas? Je ne vois pas. Tout le monde n'a pas levé la main. Tu ne connais pas? Oui, je commence ici. Qui a dit de baptiser les gens? Jésus. Acclamation. Elle a trouvé. Okay. Qui a dit de baptiser les gens? C'est Jésus. Acclamé. Elle a trouvé. Est-ce que c'est difficile? David, viens. Qui a dit de baptiser les gens? C'est le Seigneur Jésus. Qui a dit de baptiser les gens? Levez les mains. C'est le Seigneur Jésus. Acclamons très fort. Qui a dit de baptiser les gens? Tu n'as pas levé ta main. Tiens-toi debout. Ceux qui ont levé les mains, asseyez-vous.
Ceux qui n'ont pas levé les mains, tenez-vous debout. Tout le monde baisse la main. Qui sait pourquoi on doit baptiser les gens? Qui sait? Qui ne sait pas? Qui sait? Qui ne sait pas? Ça, c'est bien. Qui sait? Tu ne sais pas? Viens. Qui a dit de baptiser les gens? Le Seigneur Jésus. Acclamation. Le Seigneur Jésus. Je te dis de passer ce que je ne connais pas. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit de faire quoi? De baptiser, de se baptiser. Est-ce que tu connais le verset qui dit ça? C'est quel verset? Marc 16, verset 16. Matthieu 28, verset. Matthieu 28, verset 19. Qui a dit de baptiser les gens? Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Acclamation. Le Seigneur Jésus, dis le Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Quand on baptise quelqu'un, qu'est-ce qu'il ne doit plus faire? C'est pour obéir à Dieu. Acclamation. Quand on baptise quelqu'un, qu'est-ce que cette personne ne doit plus faire? Qu'est-ce qu'il ne doit plus faire? Qui n'a pas encore parlé depuis qu'il est arrivé? Quand quelqu'un est baptisé, qu'est-ce qu'il ne doit plus faire? Si vous trouvez ça vraiment... Oui, viens. Écoutez très bien. Il ne doit plus pécher. Il ne doit plus pécher. Elle a trouvé? Si elle a trouvé, vous acclamez. Oui, David, viens. Oui, viens. Comment tu t'appelles? Joseph, viens. Quand quelqu'un est baptisé, qu'est-ce qu'il ne doit plus faire? Il ne doit plus fumer la cigarette. Il ne doit plus fumer la cigarette. Et toi? Il ne doit plus faire ses péchés qu'il a fait avant. Il ne doit plus commettre les péchés qu'il commettait avant. Oui. Il ne doit plus se masturber. Il ne doit plus se masturber, oui. Venez, chacun vient dire ce que les personnes baptisées ne doivent plus faire. Il ne doit plus chiter les gens. Il ne doit plus boire la drogue. Très bien. Il ne doit plus pratiquer tout péché. Il ne doit plus boire la boisson. Il ne doit pas voler. Très bien. Il ne doit plus mentir. Très bien. Il ne doit plus insulter les gens. Très bien. Il ne doit plus tuer les gens. Il ne doit plus tuer les gens. On ne doit pas faire la méchanceté. Plus de méchanceté. Il doit plus
tricher les gens. Il ne doit plus tricher les gens. Il ne doit plus tricher à l'école. Il ne doit plus frapper les gens. Oui. Il ne doit plus adorer les statues. Très bien. La personne ne doit plus faire tout péché et doit vivre dans une vie de sanctification. Suivant. On ne doit plus pratiquer la sorcellerie. Très bien. Suivant. Se mettre en colère. Plus de colère. Suivant. Il ne doit plus insulter. Il ne doit plus faire palabre. Il ne doit plus faire palabre. Dis, il doit être un bon disciple. Il doit être un bon disciple. Qui a sa Bible là? Ouvre ta Bible. Lis Romains 6, versets 1 à 3. Romains 6, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Tu as lu jusqu'à quel verset? Non, viens continuer. Lis le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En nouveauté de vie. Je lis dans Romains 6, le verset 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore? Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, celle en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le même baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Amen. Dites Amen. Acclamez très fort.
Acclamez. Vous avez applaudi, vous ne savez pas acclamer. On acclame avec des cris de joie. Jésus-Christ. Ça, c'est bien. Acclamez plus fort encore. Quand on te baptise, quand tu sors des eaux de baptême, tu dois vivre une nouvelle. Très bien. La Bible dit que quand on sort, Emmanuel lit. Qui a sa Bible? Qui est Boniface parmi vous? Prends ta Bible. Romains 6, verset 4. Qui est Samuel parmi vous? Qui est Emmanuel parmi vous? Viens avec ta Bible. Oui, vas-y. Romains 6, verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Amen. Que nous menions une vie nouvelle. Nous avons été baptisés pour sortir des eaux de baptême et vivre une vie. Vous ne répondez pas. Acclamez très fort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Que nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Qui comprend ce que ça veut dire? Oui. Que veut dire marcher en nouveauté de vie? Après avoir fait son baptême, nous laissons notre ancienne vie derrière nous et nous marchons avec Christ. Qu'est-ce qui est dans l'ancienne vie? Oui. Le péché. Le péché. Quel péché? Un exemple. Un exemple de péché. Grossièreté. Le mensonge. Oui, parle fort. Parle, ne crains personne. Il y a le mensonge, oui. L'adultère. L'orgueil. L'orgueil. Qui d'autre? Oui. La drogue. Oui, venez. Le monde, oui. Le péché. Quel la péché? Fornication. Oui. Le mensonge. La boisson. L'adultère. Le commérage. Je ne dois plus mettre la drogue dans les oreilles. Oui, parle d'abord. Parle. Le rien. Redonne à l'autre. Le mensonge. Oui, le mensonge. Suivant. À ne pas obéir à Dieu. La désobéissance à Dieu. Très bien. Suivant. Il ne faut pas voler. Il ne faut plus voler. Il ne faut plus fumer cigarette. Plus de cigarette. Acclamez très fort. Suivant. Oui, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans la nouvelle vie? Quelles sont les choses qui sont dans la mauvaise vie, dans l'ancienne vie? On ne peut plus fumer cigarette. Plus de cigarettes, tu ne peux plus fumer la cigarette. Le moi. Le. Oui, dis ça bien. Le moi. Le moi se manifeste comment? L'orgueil. Quand on est orgueilleux, on fait comment?
On pense à soi-même. On peut? On pense à soi-même. On pense à soi-même seulement. Très bien. La désobéissance à ses parents. La désobéissance à ses parents. Il ne doit pas voler l'argent de sa mère. On ne doit plus voler les choses de sa mère. On ne doit plus prendre la cigarette. On ne doit pas adorer les argent. Il ne faut pas. On ne doit pas voler la casserole. Je n'ai pas compris. On ne doit pas faire quoi? Il ne faut pas adorer les agents. Il ne doit pas adorer les marabouts. Il ne doit pas adorer les idoles. Il ne doit pas adorer Satan. On ne doit plus adorer Satan, oui. On doit adorer Dieu. On doit adorer Dieu. On doit adorer Jésus-Christ. On doit adorer Jésus-Christ. On doit adorer Jésus-Christ, notre Sauveur. On doit adorer Jésus-Christ, notre Sauveur. Acclamons ensemble. On se baptise pourquoi? Oui. Pour obéir à Jésus. Pour obéir à Jésus. Acclamation très fort. On se baptise premièrement pour obéir à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a dit d'aller baptiser tous les hommes. N'est-ce pas? Maintenant, quand on est baptisé, est-ce qu'on doit vivre comme dans le passé? On doit vivre la nouvelle vie. Si tu as plus de 5 ans, lève-toi. Ceux qui ont plus de 5 ans, tenez-vous debout. Venez résumer ce qu'on a vu. 5 ans, ça c'est bien. Bon, prenez le micro. 5 ans. Tu as quel âge? Oui, ça va, viens confirmer. Ok, soyez concentrés. Hein. C'est comme si c'est un examen. Tu peux échouer là. Je vais vous poser deux questions. Pourquoi on baptise les gens? Et après le baptême, on doit vivre comment? Si quelqu'un rate ça. Commence. Pour obéir à Dieu. Il a trouvé. Très acclamé d'abord. Attends, ne pars pas. Et quand on est baptisé, on doit vivre comment? Prends le micro. Quand on est baptisé, on vit comment? Attends, ça arrive. Passe le micro à l'autre. On doit vivre. Non, on se baptise pourquoi? Pour obéir à Dieu. Acclamé, il a trouvé. Après le baptême, on vit comment? On vit avec une nouvelle vie. On vit une nouvelle vie, il a trouvé. Acclamé. Non, toi tu as déjà raté. Toi tu vas t'asseoir. Il ne faut pas rater, hein. J'ai deux questions. Vous voyez, il a trouvé un, il a raté un. On se baptise pour quoi? On se baptise pour obéir à Jésus. Voilà. Maintenant, après le baptême, on vit comment? On vit selon les Saintes Écritures. On arrête, on vit une nouvelle vie. Il a trouvé, acclamé pour lui. Acclamez très fort quand quelqu'un trouve.
Si quelqu'un te demande pourquoi t'as-t-on baptisé, tu vas dire que quoi? Je me suis baptisée pour obéir à Dieu. Acclamé, elle a trouvé. Après le baptême, quelle est la vie qu'on doit vivre? Après le baptême, on vit en nouveauté de vie. Oui, une nouvelle vie. On vit dans une nouvelle vie. Et tu as trouvé, tu as réussi à l'examen. Acclame très fort. Si quelqu'un te demande pourquoi t'as-t-on baptisé, tu vas dire que quoi? On se baptise pour obéir à Dieu. Très bien. Si quelqu'un te demande qui a dit aux gens de se faire baptiser, tu vas dire que quoi? Quoi? Si quelqu'un te pose la question, qui a dit aux gens de se faire baptiser? Je dis que c'est Jésus qui l'a dit. Très bien. Et quand on est baptisé, on vit comment? On a une nouvelle vie. Elle a trouvé. Si on te demande, qui t'a dit de te faire baptiser? Jésus. Si quelqu'un te demande, tu te fais baptiser pourquoi? Pour obéir à Dieu. Très bien, elle a trouvé. Et après le baptême, on vit comment? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Acclamez très fort, elle a trouvé. Faut pas rater. Soyez concentrés. Si quelqu'un te pose la question, tu te fais baptiser pourquoi? Pour obéir à Jésus-Christ. Acclamé, elle a trouvé. Si quelqu'un te demande, après le baptême, on doit vivre comment? On doit vivre une nouvelle vie. Acclamé, très fort, elle a trouvé. Ne rate pas. Tu es déjà baptisé. Qui te fait baptiser? Pourquoi? Pour obéir à Dieu. Très bien. Acclamé. Il reste une question. Tu as déjà trouvé un, il reste l'autre. Après le baptême, on doit vivre quelle vie? On doit vivre nouvellement. Une nouvelle vie. Donne l'exemple d'une chose qu'on doit faire quand on est baptisé. Hein? Donne-nous un exemple des bonnes choses qu'il faut faire quand on est baptisé. Il faut méditer. Très bien, va t'asseoir. Si quelqu'un te demande pourquoi t'es-tu fait baptiser, tu vas répondre que quoi? Pour obéir à Dieu. Très bien. Est-ce que tu connais le verset où Jésus a dit aux gens de se faire baptiser? Oui. C'est lequel? Matthieu 28, verset 19. Très bien. Après le baptême, on vit quel genre de vie? Une nouvelle vie. Il a trouvé. Acclamons très fort. Pourquoi? Tu es déjà baptisé? Tu te fais baptiser pourquoi? Obéir au Seigneur Jésus. Et après le baptême, tu vis comment? Je vis la vie de Christ. Très bien. Tu es déjà baptisé? Non. Tu veux qu'on te baptise? Hein? Tu veux qu'on te baptise? Oui. Si quelqu'un te demande, tu veux te faire baptiser pourquoi? Tu vas répondre que quoi? Pour obéir à Dieu. Il a trouvé. Il reste une question. Acclamez d'abord très fort. Maintenant, après le baptême, on vit comment? On vit quelle vie? La vie de Christ. Très bien. La vie de Christ, c'est comment? Avec amour. Christ vit avec amour. Très bien. Suivant. Acclamez pour lui. Pourquoi baptise-t-on les gens? En premier lieu, on baptise les gens pour obéir à Dieu. Très bien. Et après le baptême, qu'est-ce qui les attend? Ils doivent vivre quelle vie? Je n'entends pas. Après le baptême, ils vivent quelle vie?
une désanctification. C'est-à-dire? Une vie sans péché. C'est-à-dire? Une vie où tu obéis au Seigneur Jésus-Christ. Exemple. Tu ne dois plus recommencer tes péchés d'avant. On appelle ça une nouvelle vie. Une nouveauté de vie. La Bible dit, tu dois vivre une nouvelle vie. Les choses ont changé. Tu as compris? La vie ancienne est restée où? Dans l'eau du baptême. Très bien, tu as trouvé. Suivant. Si quelqu'un te demande pourquoi veux-tu te faire baptiser, tu vas dire que quoi? Je vais dire que... On baptise les gens pourquoi? Parce que il faut obéir à Dieu. Très bien, il a trouvé. Acclamation. Et quand les gens sont baptisés, qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Quelle vie? Ils doivent vivre une nouvelle vie. Très bien, il a trouvé. Exemple. Exemple. Quelles sont les choses qu'on fait dans la nouvelle vie? Tu ne dois plus pécher. Il ne doit plus pécher. Comme quel péché, par exemple? Voler de la casserole. Voler de l'argent. Très bien, il a trouvé. Il a réussi à son examen. Acclamez très fort. Pourquoi baptise-t-on les gens? On baptise les gens pourquoi? On baptise les gens pour obéir à Dieu. Très bien. Qui a demandé de baptiser les gens? Le Seigneur Jésus. Très bien. Est-ce que tu connais un verset qui dit ça? Oui. Matthieu 28 au verset 19. Très bien, il a trouvé. Maintenant, après le baptême, on vit quelle vie? Une nouvelle vie. Acclamation Jésus-Christ. Suivant. Si on te demande pourquoi baptise-t-on les gens? On baptise les gens pour quelle raison? Pour obéir à Dieu. Très bien. Et après le baptême, on vit comment? On fait une nouvelle vie. Très bien. Tu as trouvé. Tu as réussi à ton examen. Va t'asseoir. Acclamation. Pourquoi baptise-t-on les gens? Pour obéir à Dieu. Il a trouvé. Et après le baptême, qu'est-ce qu'on doit, on doit vivre? On doit vivre une nouvelle vie. Acclamation pour lui, il a trouvé. Acclamez très fort. Oui, on doit baptiser les gens pour quel but? Pourquoi? Pour obéir à Dieu. Très bien. Et après le baptême, ils vivent quelle vie? Avec une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ça veut dire qu'il ne doit plus faire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit plus faire quoi? Il ne doit plus pécher. Exemple, quel péché par exemple? Tu connais un péché que les gens commettent souvent? Voler de l'argent. Voler de l'argent, elle a passé son examen. Acclamez pour elle très fortement. Acclamez très fort. Elle a même les disciples. Oui, on doit baptiser les gens pourquoi? On baptise les gens pour obéir à Dieu. Après le baptême, ils vivent quelle vie? Une vie de sanctification. Quand quelqu'un se sanctifie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne pratique pas le péché. Le péché, c'est quoi? Exemple? Le vol. Le vol. Il ne faut pas avoir peur de dire le vol. Tu as peur de... Tu as peur? Est-ce que tu as peur? Tu crains qui? Yadoba. Est-ce que tu as peur? Non. Parle alors très fort. Le péché, donne l'exemple de deux péchés. Il y a quoi et quoi? Il y a la fornication. Et quoi d'autre? Le vol. Très bien, c'est fini. Acclamez.
si on te demande pourquoi baptise-t-on les gens, tu vas dire que quoi? Pour obéir à Dieu. On les baptise pour obéir à Dieu. Acclamez très fort. Et quelle est la vie qu'on vit après le baptême? Une nouvelle vie. Très bien. Une nouvelle vie veut dire qu'on ne fait plus quoi? On ne doit plus voler. On ne doit plus voler. Et quoi d'autre? On ne doit plus tricher. Tricher. Acclamez très fort.